Et on se lève, bienvenue pour le deuxième épisode de The Long Dark Dark Walker. Un oreiller. Donc le premier épisode s'est plutôt bien passé. Nous sommes apparus donc à Muskeg Morn. On était sur la route du lac Mystère. On s'est fait une super embûche de loups avec 3 devant, 2 derrière. C'était vraiment top. Donc du coup on a dû rebrousser chemin. On est allé à la voie ferrée détruite et après de la voie ferrée détruite on a dû tracer jusqu'au lac Mystère. Résultat, nous avons très peu de vie, donc il va falloir faire très attention à ça. Mais on va essayer de se débrouiller. Donc pour le moment on va regarder ce que j'avais mis dans les tiroirs. Attends, hop. Okay. Pour le moment on va prendre ça. On a quelques petits problèmes. C'est par rapport à notre vie. Il faut faire en fait très attention à notre vie. Il faut pas qu'on en perde parce qu'on a beaucoup de mal à en récupérer. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vraiment dormir. Ça c'est un problème. Ça c'est vraiment un problème. Surtout au début de jeu. Donc on va devoir faire attention à ça. Alors, ce que je voudrais aussi. Je pense qu'on va faire des torches. Je pense qu'on va faire quelques torches à 100%. Comme ça, on devrait pas avoir... On devrait pas avoir trop de problèmes, j'ai envie de dire. Et ce qu'on va faire, on va directement aller au barrage. Je pense qu'on va aller directement au barrage. Pourquoi? Parce qu'on aura beaucoup plus de chances de trouver une lampe là-bas. J'ai vraiment envie de trouver une lampe. Parce qu'encore une fois, à la limite, je voudrais pas vraiment rusher la lampe. Mais on a un jerrycan qui contient 3 litres. De fuel, donc ça nous aiderait énormément. Du coup on n'aurait pas à avoir à gaspiller en fait des torches à chaque fois, enfin des allumettes plutôt, parce qu'il faut penser qu'à chaque fois qu'on allume une torche ça veut dire allumette. Donc voilà, donc ce que je voudrais faire c'est faire au moins 2 torches à 100%. Ça serait bien, comme ça si on l'utilise dans le barrage, elles dureront longtemps. Comme ça, on n'a pas besoin de faire de pause. Voilà, 2 torches à 100%. Après, le reste, très bien. Nous avons une petite aurore boréale. On a ça qu'on peut faire cuire. Ça, on peut le faire bouillir. Donc, on pourrait avoir le bonus de chaleur. J'ai envie de dire, peut-être qu'on devrait faire un feu maintenant. Pour faire chauffer ça. Pour le faire chauffer. Comme ça, on pourrait avoir... comment dire ? Ok, le bras zéro, il est là. Comme ça, on pourrait avoir notre bonus de chaleur. Ça nous éviterait d'avoir froid et de perdre de la vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez ce que je veux dire ? Alors ce qu'on va faire, alors il y a un truc très con aussi, ça c'est quelque chose que j'avais appris là dernièrement. Quand vous utilisez une torche pour allumer la torche, il faut une allumette et elle va par défaut utiliser les allumettes en bois, ce qui est un problème. Je pense qu'on peut allumer une torche avec une allumette en carton. Pourquoi allumer une torche? Tout simplement parce que si vous utilisez des allumettes pour faire un feu, ça va être un problème, parce que une fois que l'allumette elle est utilisée, si le feu ne prend pas, donc on va jeter ça, si le feu ne prend pas, ce qui va se passer c'est que vous avez perdu l'allumette. Donc ce que vous faites, vous utilisez la torche. Ça je l'avais déjà dit dans mes saisons précédentes, je le redis, c'est très important, surtout en intrus, ça vous économise énormément d'allumettes. Parce qu'à chaque fois, si votre feu se foire 50 fois, ça fait 50 allumettes que vous venez de gaspiller. Alors qu'avec la torche reste tout le temps allumée. Donc vraiment cool. Vraiment très bon à savoir ça. On a 10 minutes. C'est pas énorme. On va faire ça. 10 minutes, 10 minutes. Je
Je vais voir si on peut pas. Attendez, parce que là c'est vrai qu'on est un peu limité par le temps. J'avoue que je pensais qu'on avait un peu plus de feu, de bois en tout cas. Ah mais du coup je peux pas éteindre cette torche. Si, si, je peux faire ça en fait. Je suis bête. Une minute, près dans une minute. Non, ça devrait passer, vous inquiétez pas. Allumage. Ça devrait passer, voilà, très bien. On va boire ça. C'est bon, on y va. Tout ça pour juste avoir ce buff là. Là on a utilisé une allumette seulement pour avoir le buff là. Mais bon, on a une torche. On va passer par là, on va passer par le chemin le plus court pour aller directement au barrage. Ligne droite barrage, ligne droite barrage. Vous voyez que là on a froid mais ça descend pas très vite. J'ai envie même de dire par là. On va sûrement rencontrer des loups en plein milieu. Okay, très bien, on n'a pas trop froid, on a plus la protection. J'allais dire on est protégé du vent, mais plus vraiment. Ok, très bien. On peut passer par là peut-être. Je voudrais quand même aller vers les wagons. Mais à la limite. On a peut-être pas besoin. Les wagons sont là. On est protégé par la lumière de toute façon. On va sûrement avoir des loups plus loin. Ok, alors fais voir un peu. Ça on prend. Il y a encore un livre là de. Ça, très bien. Ok, rien du tout, rien du tout. Il y a des plumes par terre, c'est pas grave, on n'a pas vraiment le temps. Très bien. Éteins pas la torche, malheur. Malheur, malheur. On devrait avoir une carcasse peut-être là, je sais pas, j'ai pas vu. On va avancer. Ok, donc à chaque fois qu'on sort en ce moment. Je crois que j'ai entendu un aboiement. Yes. À chaque fois qu'on sort, il faudrait. On va essayer de passer par la lumière en plein centre. Ça serait de. D'avoir le buff de chaleur. Oh la vache. Ok, ok, ok. C'est vraiment pas de bol. C'est vraiment pas de bol. Là, c'est vraiment pas de bol. Là, c'est vraiment pas de bol. Je voudrais récupérer mon feu. Là, là, c'est vraiment pas de bol. Ok, let's go! Oh la vache! Oh mon dieu! Ça... Ok. Oh mon dieu quoi.
On a une carcasse ici. Ah, elle fait moins 26. On a froid. C'est un problème. Mon dieu, qu'est-ce que c'était proche. Rien du tout, on a plus une plume. C'est pas très grave les plumes. On peut en récupérer plus tard. Je voudrais bien garder le feu. Pas de tempête, rien, pas de vent pour le moment. Ça va. On commence à perdre un peu de vie. C'est pas trop, ça va pour le moment. Je parle beaucoup parce que c'est un peu stressant, mais vu que je bouge, je me déplace très vite comparé à un jeu normal, on va dire, de The Long Dark. Du coup, il faut que j'explique tout ce que je suis en train de faire, en fait, tout simplement. Évidemment, donc du coup, il faut que je parle beaucoup et vite, surtout. Vite, très vite. On va regarder d'abord les bungalows 1 et 2, puis après, on va aller dans le barrage. Il faut qu'on ait un peu chaud, là. Ouh, ok, c'est bien. Honnêtement, c'est bien. On s'est super bien débrouillé. Pour le moment, on va dire qu'on est en avance sur la mort, j'ai envie de dire. J'ai envie de le traduire comme ça. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus on a faim, plus on a soif, plus il nous faut des ressources et tout ça. Là, on arrive à avancer assez rapidement et récupérer les ressources qu'il nous faut pour survivre. Donc, on va dire qu'on met un peu en... On est un peu en avance sur notre mort. Parce que là, on va mourir, hein, si jamais ça se passe mal. Si jamais ça se passe mal, on est mort. Alors, encore, le problème, c'est qu'on peut pas vraiment se réchauffer. On n'a pas de gros vêtements. Donc, même en intérieur, il fait quand même froid. Donc, du coup, on est un peu obligé de se bouger les fesses. Surtout que là, on a une torche. Et plus on garde la torche longtemps... Moins on a besoin d'utiliser d'allumettes. C'est pour ça que je veux absolument, mais alors absolument une lampe. Ça nous évitera de faire ça. Et on pourra souffler. Honnêtement, si on a la lampe, on va pouvoir souffler. Et ça va vraiment être bien. On n'utilisera la lampe que nécessaire, que si vraiment on a besoin de voir. Et après, on pourra rester une partie dans la nuit. On allume la lampe pendant une seconde. On regarde ce qui se passe. On ferme, etc., etc. On essaye de la garder le plus longtemps possible, évidemment. De pas utiliser trop de carburant, trop de fuel. Je pense que ici, au lac Mystère, je ferai une séance de pêche. Je pense que la séance de pêche, je la montrerai pas. Tout simplement parce que ça va être très long et il me faudra du fuel, en fait. Et je veux récupérer du fuel pour pouvoir utiliser la lampe le plus possible. Ce qui va vous permettre de vous voir et moi de pas avoir à éditer la vidéo ou quoi que ce soit. Parce que si je commence à augmenter les gammas pour la nuit et tout ça, ça va être honnêtement dégueulasse à regarder. Donc je préfère rester normal, ne pas augmenter la luminosité, mais utiliser des sources de lumière. Et ça va bien se passer. Mais j'ai envie de dire que c'est plutôt cool de pouvoir... sprinter partout. Honnêtement, on va dire que ça balance bien parce qu'on est pressé par le temps. Bon, bien sûr, évidemment, un sprinter, ça veut dire on consomme plus de calories et tout ça. À la limite, ce qu'on aurait pu faire, c'est consommer moins de calories quand on sprint. On aurait pu mettre cet atout-là. Mais encore une fois, les 2 degrés gratuits comme ça, je pense que c'est le plus important. Mais j'avoue que, du coup, vu qu'on sprint énormément, ne pas trop consommer de calories pendant qu'on sprint est vraiment très, très, très intéressant. Donc, si jamais vous voulez tester ça, tester ce run-là, ce que je suis en train de faire, je vous conseille peut-être de mettre les calories. Mais encore, je suis pas sûr. Yes! Ok, on est sauvé. Alors, fais voir un peu. Elle a 0,83. Très très bien, c'est bon. On va laisser la torche mourir. Il n'y a pas de problème. On va laisser la torche mourir. Il n'y a plus de problème. Oh, je suis extrêmement content. Voilà.
Alors après, on aurait pu... Il y avait deux choix. Il y avait deux choix. J'en ai parlé dans le premier épisode. Et j'ai décidé en fait de faire ça maintenant. Pourquoi? Parce que il y avait deux choix. C'était où on pouvait faire les petits bâtiments sur la glace, sur le lac gelé. Mais il y avait 3 ou 4 bâtiments à faire. C'est pas énorme. Après, il y a les petites cabanes pour faire la pêche. Il y a très peu de chances, on va dire, de trouver une lampe là-dedans. C'est possible, attention, j'en ai trouvé plusieurs et tout ça, il n'y a pas de problème, c'est possible. Mais niveau statistique, non, c'est très mauvais. Et là, on est vraiment pressé, voilà, très bien. Ah, en plus, honnêtement, le barrage Carter, il est très très bien illuminé. Donc ça va. Ça va, ça va. Donc là, c'est très bien d'avoir choisi le barrage à la place. Oh là, on a de l'eau en plus, c'est très bien, on n'a pas besoin de faire du feu pour le moment. On a assez chaud aussi. Regardez, voilà, l'exemple même. Si on n'avait pas les 2 degrés bonus de l'insigne, on aurait froid. On aurait froid. Et là, ça serait la catastrophe. Froid en intérieur, c'est la catastrophe, ok? C'est le pire que ce que vous pouvez avoir. Il faut surtout ne pas avoir froid en intérieur. Le début est extrêmement dur à cause de ça. On va pas le faire pour le moment. Donc, content. Très très content. Alors, j'ai cru qu'il y avait une balle. Alors déjà, le barrage Carter qui fait flipper. Mais le barrage Carter en aurore boréale sans s'arrêter... Je crois que c'est encore pire. Par contre, on va peut-être avoir un problème. Oh la vache, faut faire attention à ça. C'est vrai que maintenant, il y a des emplacements où normalement pour moi, parce que moi je joue toujours en intrus, il n'y a rien. Et en fait, ce sont des emplacements à balles. Donc il faut que je fasse très attention. Il faut que je me déshabitue en fait de mon habitude de regarder les emplacements. Oh merde. Ok. Alors, j'allais aussi parler du fait que normalement, je crois qu'on doit passer des câbles électriques. Et je crois qu'on est obligé de passer des câbles électriques. Je crois pas qu'on puisse passer à côté. Et je me suis dit, bah tiens, avec l'aurore boréale, ça va être un problème. Ça va être un gros problème. Mais là, ça va. Je regarde si c'est pas quelque chose. Non, c'est juste des planches. Ah, c'est bien, on a gardé le jerrycan sur nous. Là, on avait tout fouillé. Très bien. On va regarder de ce côté. On a beaucoup de... On a beaucoup de ça. On a beaucoup de bonbonnes, c'est pas vraiment intéressant. Okay, ça, c'est intéressant par contre. I'll do anything for a drink right now. Ah, la soif. Ouais, t'as soif. On va faire. Très bien. Pas trop. Comme ça, on peut utiliser les canettes. Un insigne qu'il pourrait rajouter, ça serait genre utilisation de la lampe, genre doublée. Genre elle se consomme deux fois moins vite ou des choses comme ça, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Donc on a la lampe qui est quasiment pleine, nous avons 3 litres de fuel. Ça devrait bien se passer. Et après on a encore des... on a encore des torches si besoin. Donc ça devrait bien se passer. J'espère. Elle n'a pas trop faim. Ça va. On a un coffre à faire. Je suis pas super fan de faire le coffre, mais on va devoir le faire au cas où. Là, on a un établi. J'avais oublié qu'il y avait un établi ici. C'est vrai qu'on peut travailler ici, en fait. Ok, très bien. On a un peu d'avance aussi sur... Putain, on a énormément de bouquins. J'ai jamais vu autant de bouquins de ma vie. On a aussi pas mal de nourriture, je trouve. Donc ça se passe bien. Il faut toujours qu'on avance le plus possible. Euh, 25. Je crois.
24. Je déteste faire ça. 24-26. J'aurais dû éteindre la lumière. Allez. 24, 26, 20, putain. Je vais toujours trop vite. 24, 26, 20. 24. Ok, 26. J'arrive pas à m'arrêter avant. Et 20. J'aurais dû peut-être éteindre la lumière, mais je sais pas si on peut le faire, du coup, ouais, y'a que des... Okay, c'est pas grave. Je sais pas si on peut le faire sans lumière, en fait. Ça, je sais pas. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Vu que maintenant c'est fait, je vais pas retester, on va dire. Ok, ok. Alors, un truc aussi intéressant qui pourrait vraiment nous aider... C'est si jamais on trouve une arme à feu, on va pouvoir l'utiliser, parce qu'on a quand même pas mal de balles, honnêtement. Du coup, on va dire qu'on pourrait le prendre un peu plus tranquillement par rapport à faire des outils. Voilà, on pourrait peut-être rester quelques jours ici, si jamais on trouve un... Si jamais on trouve une arme à feu, parce qu'on pourrait aller chasser le cerf. Je crois que c'est ces câbles-là, normalement, on peut pas les passer s'il y a une mur en boréale. Je crois. Hein. Ok, donc là, le baril, il n'y a rien autour. C'est un peu bête. Très bien. C'est pour ça que normalement, je regarde jamais les recoins comme ça. Que je sais qu'il n'y a jamais rien, mais là j'avoue que c'est un peu spécial pour moi, donc faut que je m'habitue. De spécial. On va éviter de sprinter parce que sinon ça utilise trop d'endurance. Enfin de nourriture, de calories, ça utilise trop de calories. On va éviter de marcher aussi sur les câbles, parce que si jamais une aurore boréale revient, je crois qu'on risque de s'électrocuter. Je sais pas s'il y a quelque chose qui peut être là. Je suis tellement content, vous savez, vous imaginez même pas la peur que j'avais que ça se passe mal et tout ça. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Oh, on a froid. Je crois. On a froid. On est à moins 2. Vous voyez le problème? Alors, moins 2, c'est... Moins 2, c'est pas encore trop grave. Pourquoi? Parce qu'on peut prendre le sac de couchage et dormir dedans. Et le sac de couchage, je crois qu'il fait quasiment 4 degrés. Donc, à la limite, on peut se réchauffer comme ça. Mais bon, on peut pas dormir tout le temps, ça le problème. Ok, strictement rien d'intéressant. Mais il va falloir faire attention à ça. Faut vraiment faire attention à ça. On va aller là. On va voir ce qu'on peut trouver. Il nous faudrait un fusil. Enfin non, n'importe quoi. Fusil ou revolver, honnêtement. Et comme ça, on peut chasser tranquillement. On a déjà 50% de la lampe. Ouais. Il faut que j'éteigne la lampe, je crois, pour descendre. Quoique...
Le truc, c'est que notre endurance est extrêmement bonne. Donc, on peut se permettre de faire des choses comme ça. Normalement, je me serais jamais permis, en fait, de passer la corde. Mais là, on peut. Là, on peut complètement le faire parce qu'on risque... On risque pas vraiment de se fatiguer. Et j'ai regardé, je voulais voir en fait si ça consommait plus de nourriture, mais non. Plus de calories, mais non. Donc ça va. Là, on a plein de... Comment ça s'appelle ? De tissus à récupérer. Je pense pas qu'on va le faire. Je pense pas qu'on va le faire. J'ai un peu peur qu'il y ait trop de... Qu'il y ait trop de balles. Oh, le nombre de... Ah ça y est, on a chaud maintenant. Le nombre de livres qu'on trouve, c'est incroyable. Incroyable. Bon, ça va, on se réchauffe. Je sais pas pourquoi, je pense que ici il fait plus chaud que à l'intérieur. Là on est plus profond, on va dire, dans le barrage. J'imagine qu'il fait un peu plus chaud. Okay, très bien. On va pas prendre cette porte. Quoique si, en fait, comme ça on sera à l'autre côté. Ah ouais, non, on va avoir froid. Oh. J'ai pas vraiment envie de sortir, en fait. J'ai honnêtement pas envie de sortir. Tant qu'on a froid. Donc on va pas fouiller l'extérieur. On va... Non, 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 non. De toute façon, on a la chose importante, c'était la lampe. Donc on n'a pas besoin de fouiller plus que ça. On fouille juste l'intérieur. On va pas sortir. En temps normal, je serais sorti, mais là, non. Il faut vraiment qu'on garde de la vie. Strictement rien. Bon, c'est pas si mal. Passer sous une échelle, ça porte malheur. Pareil. Encore du tissu. C'est intéressant de jouer comme ça, je vais être honnête, c'est très intéressant, c'est très différent. Il faut penser vraiment différemment en fait. C'est assez cool, j'avoue. C'est assez cool. C'est parfait. Très bien. C'est à chaque fois qu'on trouve du fuel, honnêtement, ça c'est le Saint Graal. Torche, elle est à combien ? 4%. Vous voyez quand même, la lampe, on l'a utilisée, hein. Elle est quasiment fine, alors qu'elle était à 0,80 je crois. 0,80 et on est presque vide. Très bien. Oh, il y a toujours ce... Il y a toujours ce bug. Ouais, la lampe, des fois, ne s'affiche plus, en fait. Parce que, vous voyez que, en fait, notre personnage baisse la lampe, baisse la main. Et des fois, il la relève pas, en fait. Si on va trop vite en sortant de l'inventaire, ou je sais pas trop pourquoi. Donc, faire attention à ça, c'est un peu embêtant. Oh, très bien. Je pensais que c'était une boîte, mais non, ça va, c'est cool. On est plein. Alors la bonne chose, c'est que maintenant, on peut dormir plus ou moins où on veut et quand on veut. Ça qui est important. Oh, très bien. Pourquoi? C'est parce que on a la lampe. Genre, on n'est pas pressé par une torche ou une fusée ou des trucs comme ça. Là, vraiment, on peut
on va dire, la jouer relax. Et on a le temps de planifier les choses, en fait. On a le temps de planifier ce qu'on va faire. Et on n'est pas vraiment trop pressé. On veut toujours gagner du temps, hein, récupérer des ressources et tout ça. Mais ça va. Voilà, c'est cool. Mais c'est cool. Faut que je fasse attention à sa nourriture. Ok, ça c'est très très bon. Très bien. Je crois qu'on va même dormir ici, honnêtement. Ah, quoi que... Je sais pas. Non, on va peut-être d'abord revenir à la sortie. Et après, on dormira. Pourquoi? Parce qu'il y a les câbles à passer. Et si jamais on est bloqué par les câbles, je crois qu'on va devoir attendre la fin de l'aurore boréale. Et ça, ça pourrait prendre pas mal de temps. Oh, fait tout très bien. Ça nous en fait deux. Là, on a rien. Là, on a rien. Ok, je crois qu'on est bon. Je crois qu'on peut commencer à revenir maintenant. Ouais. Ok, allez, on y va. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Nouveau objet. J'ai envie de dire qu'on pourrait sprinter, mais on va pas le faire. Comme j'ai dit, j'ai pas envie de perdre trop de calories. Quoique... Là, on est sur un sol plat. Le truc, c'est qu'on va commencer à utiliser beaucoup de calories. Je crois que c'est si on est en montée ou en descente. Je crois qu'en descente aussi. On a 3 flèches au lieu de 2. C'est pas que je ne suis pas trop sûr. C'est juste que des fois, je fais pas vraiment attention aux petits détails comme ça. Ouais, non, je crois que c'est quand on monte. Ouais, quand on monte et qu'on sprint, on consomme plus de calories, donc faire attention. Ok, on va passer par là. Je suis content, ça se passe bien. Ok, là on a froid par contre, là on a froid. Combien? 1 degré, ça va. On a récupéré quelques nouveaux vêtements, donc ça tient. Ça tient, ça tient. Ah, c'est cet endroit-là. Où j'ai pas envie de me faire électrocuter. Okay. Escalier, on sprint pas. Ah, c'est bon à savoir parce que j'étais pas complètement sûr par rapport à la perte de calories. Ah, très bien. Ici on a tout. Ok. Parfait. Ranger ça. On va faire un peu le tri de l'inventaire, vite fait. Donc on a des allumettes en plus, c'est très bien. On a beaucoup de bonbonnes de peinture. Honnêtement, je sais pas ce qu'on va en foutre. Ravitailler. Ça va être notre meilleur ami, la lampe. Honnêtement, la lampe, c'est notre best friend. C'est notre, c'est notre BFF. C'est best friend forever. Ok, elle est pleine. On a encore 2,33 de côté. C'est très 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 bien. Ça, on va le détruire, recycler. Et à la fin. Alors. Faire ça. Faire ça. Ok, parfait. Alors pour les vêtements, pour l'instant on va tout garder. On va tout garder sur nous. On mettra tout ça à l'emplacement, enfin à notre camp. Ça on garde, ça on garde. On a de la quoi
Le purificateur d'eau, de l'aqua pure. Ah, ça c'est bien. Tout ça, honnêtement, je sais pas qu'est-ce qu'on en fait. Il y en a trop. Il y en a vraiment, vraiment trop. Je voudrais bien. Qu'est-ce qu'on fait? On en jette. Le reste, on va le. Ouais, ça sera pas quand on mange. Quand on boit, pardon. Très bien, ça y est, couchage. Ah là, ça y est, on commence à avoir chaud. On va dormir le plus possible. C'est parti. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Ok. Prendre le sac de couchage. Donc ça, on avait dit. Alors, attendez. Manger et boire. On va faire ça. Et après, on prend de l'eau comme ça. On est en dessous. Ok, parfait. Maintenant, où est-ce qu'on va aller? Le problème, c'est qu'on va avoir froid. Déjà, elle est au max, ça va. Le problème, c'est qu'on va avoir froid. On commence à récupérer un peu de vie. Un tout petit peu de vie. Ça, c'est très très bon. Ça, c'est très très bon. Rien qu'à entendre, on a un temps de merde. On a un temps de merde à l'extérieur. Donc, j'ai envie de. Ok, ce qu'on va faire. Quitter l'eau du bar, okay. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver, de récupérer des massettes et des champignons aux alentours. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et du bois si possible. Ok, très bien. Ah merde. On va essayer de faire ça. Récupérer le plus de champignons, de choses comme ça. Pourquoi? Tout simplement pour rentrer à la maison. Comme ça, on aura chaud. Parce qu'on peut pas. Vous voyez qu'on est déjà. Regardez la vitesse où ça descend. On peut pas faire ça. On peut pas le faire en une fois. Parce que c'est une galère pour récupérer de la vie. Donc on peut pas se permettre. C'est une galère pour récupérer de la vie. C'est quoi ça, à droite? Sur la. C'est pas un cerf, ça? Oh non, c'est un élan! Je vois rien. C'est un élan, je crois. C'est trop gros pour être un cerf. C'est un. Ouh, c'est ceci, ça, c'est un élan, ça. Alors, vite, on rentre. Hop. Ça, c'est un élan, ça! Putain de merde. Fait chier. On a un élan sur les bras. J'avais dans l'espoir que non, mais c'est bien un élan. Alors. On va les préparer. Alors, est-ce qu'on les fait maintenant? Honnêtement, je sais pas. Le truc, c'est que on les prépare, mais on récupère pas assez de chaleur. C'est un peu un problème aussi. Ok, très bien. Est-ce qu'on pourrait genre coudre? Préparer une heure. Normalement, on peut pas. Ouais. Il nous faudrait une aurore boréale. Il nous faudrait vraiment une aurore boréale. Ok.
Est-ce qu'on pourrait... Est-ce qu'il y a un lit là? Je sais pas s'il y a un lit. Non, je crois que celui-là non. Non, ok, faut sortir. C'est le... Je prends pas la lampe parce que c'est... je fais quelques pas, c'est pas beaucoup. Là. Donc je sors pas la lampe. On va pas non plus l'utiliser pour rien. Ok, cool. Parce que j'ai pas après envie de faire trop de feu pour pas grand chose, on va dire, entre parenthèses. Par contre, le bois, est-ce qu'on a du bois? 6, chaise, 45 minutes, très bien. Voilà, très bien, très bien. Là, on peut faire du feu, on peut faire réchauffer un thé et après partir et tout ça. Ok, très bien, on est presque à fond. On est presque à fond, on va manger ça. Maintenant, je voudrais faire les petites maisons sur le lac. Comme ça, on est tranquille. Comme ça, on est vraiment, vraiment, vraiment tranquille. Je vois rien. Quitter mobile, ok, parfait. Il y a une chose qu'on pourrait faire aussi, c'est aller à Milton. Du lac Mystère. On va directement à Milton. Oh, l'autoroute côtière serait quand même le mieux, je crois. Enfin, quoique l'autoroute côtière est grande. Le problème, encore une fois, c'est que je voudrais avoir un emplacement où on n'a pas besoin de faire de grandes distances. Et j'avoue que Milton, c'est le top. Milton, c'est le top. Le problème avec Milton, c'est qu'on ne va pas avoir de... On va pas pouvoir... comment dire, pêcher, enfin pas vraiment, pas vraiment. Il nous faudrait du fil aussi, on a une aiguille mais on n'a pas de fil. Ok, on y va, on y va, ouais on y va, c'est parti. C'est bien un élan ça. Oh. T'approches pas. C'est embêtant parce qu'il y a quand même plein de massettes. Il y a quand même pas mal de massettes sur ce côté de la rivière. Enfin sous le pont en fait pour aller à Carter. Et du coup c'est un peu handicapant parce que j'aurais bien voulu récupérer plein de massettes. Mais bon, enfin plein de massettes, c'est façon de parler parce qu'il fait extrêmement froid, c'est chiant aussi. Quoi ça là-bas? Non, il y a un loup. Non, c'est un cerf. Je vois strictement rien. Ok, on va faire un truc, c'est... Did I say I hate being cold? Because I really do. Okay. On va faire un feu ici. Douze et 9, ok. Oui, elle prend des allumettes en, en bois. Et ça, c'est un problème. On brûle de l'argent, hein, au passage. Ça, c'est un problème. Elle prend tout le temps des allumettes en bois pour allumer la torche. Ça, c'est un gros problème. Ok, c'est pas grave. J'ai pas regardé le temps qu'il faisait, s'il fait trop froid. Je sais même pas si on va pouvoir se réchauffer en fait. Ça, c'est un problème. Bon, on va pouvoir faire deux boissons. Et c'est ce qu'on va faire, on va en profiter.
Là on a les baies, on va récupérer les baies. On va voir si on peut pas récupérer des lapins qui sont sur le côté. Ok, très bien. Voie de récupération, très bien. On va garder le charbon pour le moment. Ok. -7. Il fait quand même très froid. Il fait quand même très froid. Qu'est-ce qu'on a là? Une balle. Une fusée. Rien du tout. C'est quoi ça? Un premier secours. Très bien. Non. Okay, il nous faudrait quelques brindilles de plus. Ouvre les yeux, ouvre les yeux. Il y a du lapin. Quoi ça? Ça me sert. Ok. Ok. On a perdu un peu de vie. Mais je pense que ça va. Okay. Je sais pas si ça va être suffisant, je crois pas. Non, ça l'est pas. Comme ça, stack, tac. Ok, il faut plus de brindilles. Embêtant de pas voir grand chose. Il me faudrait plus de brindilles pour être positif en fait. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est dormir juste à côté du feu. Tant qu'il n'y a pas de tempête, ça passe. Genre une petite heure. J'ai vraiment envie de voir si on peut pas attraper un lapin. Bon. Très bien. Parfait, 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 parfait. Trois. Oh, bouge pas, bouge pas. Parfait. Ok. Toujours pas assez chaud. Ça c'est par contre un peu embêtant. Toujours pas assez chaud. On va faire ça. Tac tac tac. 3. Côté. En plus, je suis sûr qu'il nous manque, mais alors pas grand chose. Oh. Voilà. Yes, c'est bon, on est positif. Eau potable dans 13 minutes, 30 minutes, on a 2 heures. Ok, ça va. Alors, ce qu'on va faire, on va en profiter, on va récupérer la viande. 27 minutes, très bien. Là, on récupère un peu de chaleur. Parfait. Eau potable. On va faire de l'eau.
Quoique, on va faire de la viande. Ça va, ça se passe bien, c'est juste un... J'avoue que c'est un peu stressant, là. Je vais être honnête, c'est un tout petit peu stressant. Parce que je voudrais vraiment... pouvoir... oh, c'est pas trop, 40 minutes, 14 minutes. Non, 40 minutes. Très bien. Eau potable. C'est un peu stressant parce que je voudrais rentrer, mais je veux pas perdre de la vie. Très bien. Je veux vraiment pas perdre de vie, donc c'est dangereux. Donc on est obligé de se réchauffer. Ok, on est bon. On a encore 3 thé par terre, ok. On a encore les charbons, c'est très bien. Les allumettes, c'est très bien. On a encore les torches, c'est très bien. On va pouvoir prendre des torches si on veut. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre encore? On a le cerf là, on peut rien faire avec le cerf. Normalement, il y a encore un lapin qui traîne, je crois. Ok, parfait. Ça, 29 minutes. Après, c'est 40 minutes pour le moment, donc on va pas le faire. On va prendre ça. Ok, il commence à faire froid. Alors, température ambiante, moins 3. C'est pour récupérer de la vie. On va pas vraiment se réchauffer, mais c'est pour récupérer de la vie. Ok. On a encore 30 minutes de feu, c'est très bien. On voit très bien en plus, c'est cool. Donc on va boire ça. On va en boire un deuxième. On est prêt pour partir. Parfait, let's go. Ok. Je crois qu'avec la différence de niveau, on consomme plus de calories quand on court. Là, on est sur 2 en pente. On est sur 2, mais je crois que si ça monte, ouais, on est sur 3. C'est lié au temps aussi, je pense. Genre s'il y a du vent et tout ça. On consomme plus de calories si par exemple on court contre le vent. Il y a un loupil devant. Pas mal de massettes que je voudrais récupérer, mais bon. Par contre, on pue la barbaque. C'est parce qu'on a les cadavres sur nous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lâcher les cadavres de lapins si jamais on se fait courser par des loups. Alors là, du coup, on fait quoi? On va à droite ou on va à gauche? Si on fait à gauche, on peut aller fouiller les maisons, mais bon, c'est dangereux. On va peut-être fouiller les maisons une prochaine fois. C'est juste des maisons là. Ouais, non, avec les loups et tout, ça va être dangereux. Non, on va pas le faire, on va pas le faire. Ce qu'on peut faire, par contre, parce que je suis en train de me demander, moi. Parce que là, on vient de partir du côté de... de l'autoroute, parce qu'on était... où c'est qu'il y a le... Merde, il est là encore. Où il y a le barrage, c'est l'autoroute. C'est un problème que l'autre ne lâche pas.
Ah, il ne lâche pas, on va rentrer. C'est le barrage, c'est l'autoroute côtière. Je me dis qu'à la limite, on peut partir vers la cabane du trappeur. Et ça, la cabane du trappeur est près de Milton. Près de l'entrée pour aller à Milton. Donc on pourrait aller à Milton, en fait, au lieu d'aller à l'autoroute côtière. Pourquoi Milton au lieu de l'autoroute côtière? L'autoroute côtière est bien en temps normal. Mais les étendues, en fait, entre les bâtiments sont très grandes. Donc on va avoir froid. Et ça va être un gros problème. Je pense que... Oh mon dieu, il y a plein de balles, j'avais pas vu. Et je pense que ça va être un problème. On va prendre ça. Vous voyez ce que je veux dire? On va dormir et ça va être la fin de notre épisode. Ouais. Alors que si jamais on va à Milton, entre les maisons, ça va être beaucoup plus simple, je pense. Ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. On va virer ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que Milton est plus logique. Parce qu'entre les bâtiments, il n'y a aucune distance. Donc je crois honnêtement que c'est mieux de faire Milton. On va prendre le strict minimum. On a beaucoup, beaucoup de livres. Je ne sais pas si ça vaut le coup de les garder pour le moment. Lire au début comme ça, c'est pas vraiment intéressant. Alors après, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est aller pêcher... au lac mystère, mais encore une fois il faut du feu. Si on n'a pas de feu, on peut pas pêcher parce qu'on n'a pas de bons vêtements. Donc c'est pour ça que Milton, je crois que c'est vraiment une des meilleures solutions pour le moment. Donc nous on est là, on va aller vers ici en haut, en fait. Ça sera, vous voyez les rails, nous on va un peu plus haut, il y aura une grotte qui va à Milton. Après, il faut prendre des cordes c'est pas un problème parce qu'on peut les prendre facilement. Vu qu'on se fatigue pas. Ouais. Là, elle est un peu fatiguée, ça va. On pourrait réparer des vêtements. Une heure réparée de tissu. Ça va être un problème, ça, par contre, le début. Ok, très bien. Est-ce qu'on a un kit de couture, autant l'utiliser? Ok, très bien. Kit de tissu. Parce que je suis en train de me dire, à la limite, c'est peut-être mieux de tenter de récupérer un fusil ou un revolver, parce que vu le nombre de balles qu'on a, que plutôt de récupérer des ressources pour aller crafter un couteau et tout ça. Ça change un peu de d'habitude, on va dire, parce que normalement on est plutôt là à vouloir faire couteau rapidement, comme ça on fait un arc. Là ça change, donc pourquoi pas. Autant changer au maximum, vous voyez ce que je veux dire? Les lapins, je vais les garder sur moi pour le moment. On va pas dépecer parce que ça va nous faire utiliser des calories. Ok. Je voudrais juste les tiroirs, en fait. Ok, tiroir. La corde, on la prend pas. De toute façon, on reviendra au lac mystère, hein. Y a pas de problème. Ok. Alors, fais voir un peu. Ça non. Ça, on va le garder. Alors, hop.
Pour l'instant, les livres, on les jette. Enfin, on les jette. On les met de côté. On va pas les lire. On va pas les lire. Ça prend trop de temps. Ça, on n'a pas besoin. Ça prend trop de temps. On n'a pas de ressources... On n'a pas de ressources de viande, rien. Qui est simple à avoir, donc on peut pas chasser. Quand on aura un fusil et tout ça, on prendra un peu plus notre temps, parce qu'on pourra aller bouffer de la viande, en fait. Mais sinon, non. Ça, on garde, ça, on garde. Ouais, les faitous, on les garde. Les trois fusées, on les garde. Ça, on garde. Les vêtements. Vêtements. Hop. Très bien. Il y a ça, il faudra mettre ça quelque part aussi. Et on garde le charbon sur nous, la pile de papier aussi, on la jette. Ok. Ça a l'air pas mal, ça a l'air potable. Ça a l'air potable. Encore une fois, on croule pas sous la nourriture et tout. Mais on va se débrouiller. On va se débrouiller en fait. On fait que avancer. Comme ça, on essaye de trouver un camp un peu mieux. Donc 1000 tonnes. Je pense que 1000 tonnes, c'est le... C'est la survie. Je pense que 1000 tonnes est vraiment l'endroit où on doit aller. Ok, on va dormir le plus possible. Ah, et après, on va partir pour la cabane du chasseur. Et ou du trappeur, et puis après Milton. Okay, c'est décidé. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.